Moi, mon but, c'est voilà, que tu découvres et que tu aies du plaisir. D'accord? Donc, ce que je voudrais que tu imagines maintenant, je voudrais que tu imagines les chiffres de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine-les, ces chiffres. Tu les vois, tu les visualises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces chiffres, ils sont écrits comment? Est-ce qu'ils sont écrits d'abord ou est-ce que c'est une image ou comment c'est? Comment tu les visualises? Ils sont écrits. Ils sont écrits avec un stylo, avec une craie, avec un feutre, avec ou simplement écrits devant tes yeux comme ça, comme une image comme ça qui passerait. Écrits devant mes yeux et comment on les apprend? Comment? Comment on les apprend en gros là? Ouais, mais tu les visualises comment? Sur un support spécifique, un papier, un tableau ou simplement dans l'espace comme ça? Non, sur un fond bleu. Un fond bleu. Et ce fond bleu, c'est comme dans un film, à la fin de film, tu sais, où tu as un fond bleu ou un fond noir, où tu vois le déroulé du film, tu les vois comme ça, ou tu le vois sur un support? Non, c'est l'espace. C'est dans l'espace, Comme si c'était écrit dans le ciel, par exemple, alors. On imagine que tu as le ciel devant toi et tu as les chiffres qui sont écrits devant toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu les visualises bien, ces chiffres? Tu les vois bien? Est-ce qu'ils sont écrits en gros ou en petit? Normal. Normal. Ni trop gros, ni trop petit. Tu visualises bien ces chiffres devant toi. Est-ce que tu les vois là? Regarde-moi. Regarde ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu les vois là? Regarde maintenant. Je prends le chiffre 5 qui est au milieu. Et le chiffre 5, c'est celui du milieu. Je le prends et je l'enferme dans ma main, ce chiffre 5. Je le retire. Maintenant, sur, tu vois écrit, visualise. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Le chiffre 5 a disparu. Il est dans ma main. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Après le 4, il y a le 6, et avant le 6, il y a le 4. Et même l'espace où est écrit le chiffre, tu le vois, ces chiffres? Tu les vois, ces chiffres, toujours sur le fond bleu. Même l'espace où est écrit le chiffre, ce chiffre qui a disparu, il disparaît lui aussi. Hop! Et comme par magie, tu vois les chiffres qui se resserrent. Maintenant, tu dis 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et ta seule manière de compter maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va te surprendre, peut-être te faire sourire, peut-être te faire rire. Mais c'est juste pour un court instant. Il va revenir très vite. Tant que je la main fermée, le chiffre restera là, il ne pourra pas revenir. Pour le moment, ce chiffre a disparu de ton esprit, il sera revenu à ta mémoire. Et simplement, quand je te demanderai de compter, tu compteras 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ta seule manière de compter. Et tout le monde compte de cette manière-là, même moi. Et ça reviendra très vite par la suite. À partir de maintenant, ta seule manière de compter, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on va faire un petit jeu, je garde bien la main fermée. Tu mets tes mains comme ça, tourne-les, et je vais toucher chaque doigt, et à chaque fois tu vas compter les doigts à haute voix. 1, 2, 3, 4. Et plus tu cherches, et plus ma main est fermée, et plus ce chiffre est là. Maintenant, c'est le chiffre. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 doigts, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. On recommence, tu as dû te tromper. On va aller un peu plus vite, tu vois, ça va aller tout seul. Et puis tu cherches et plus, regarde, il est dans ma main, il a disparu, il est dans ma main, et tant que je le garde dans ma main, il est impossible pour toi de t'en rappeler. Il est dans ma main, mais tu ne peux pas le voir. Tant que je n'ai pas ouvert ma main, que je ne l'ai pas rendu, impossible pour toi. Ta seule manière à compter, c'est celle que je t'ai donnée tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Hein. Ouais. Tu ne peux pas avoir 11 doigts. Hein. Alors, on va faire qu'une main, tu vas voir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu as 6 doigts, une main. Alors, 2 mains. 6 et 6, 12. Tout à l'heure, tu avais 11 doigts, maintenant 12. Il y a un bug là. Là, il y a un bug. Hein. Et plus tu rigoles, et plus tu cherches, et plus ça. C'est impossible pour t'en rappeler. Pose ta main. Regarde, tu te rappelles que le chiffre, je l'avais enlevé, il est là dans ma main. Tu te rappelles que je l'avais enlevé du tableau? Tu révisualises les chiffres. Hein. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Je reprends ce chiffre que j'ai enlevé et je le remets maintenant. Maintenant, tu relis les chiffres à haute voix. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Voilà. Waouh! C'est un truc de malade! Non, c'est toi qui le fais, comme je te dis, à partir de, où tu imagines, tu as la faculté d'imaginer. Tu sais, il y a des personnes qui imaginent, qui ont l'imaginaire beaucoup plus important que toi, qui arrivent facilement
à rentrer dans l'imaginaire. Et tant mieux, parce que si on si on n'avait pas l'imaginaire, la vie serait triste. Et c'est bien de penser à des endroits qui n'est. Grâce à l'imaginaire, on a la possibilité d'aller à des endroits où peut-être qu'on n'ira jamais dans notre vie. Un pays très lointain, où on aurait envie d'aller et tout. Et peut-être grâce à l'imaginaire, on va se donner les pouvoirs de vouloir y aller un jour. Hein? Donc, heureusement qu'on a l'imaginaire et l'imagination, sinon la vie, elle serait triste. Hein? Quand on vit des événements, par exemple, difficiles dans la vie, c'est bien de s'imaginer dans un contexte plus gai pour se sortir de ce contexte-là de difficulté. On continue. Alors maintenant, je voudrais que tu imagines tu visualises ton prénom dans ta tête. Maintenant, je voudrais que tu imagines ton prénom dans un endroit spécifique, dans ta tête. Tu le visualises comment, son prénom? Écrit comment? Écrit au milieu. Écrit au milieu, mais écrit avec... comme lettre, quand on écrit une lettre, ou en lettre d'imprimerie, ou en lettre d'imprimerie, c'est-à-dire en des majuscules, etc. Il est écrit comment, ce prénom? De quelle couleur? Blanc. D'accord. Donc tu l'imagines à quel endroit au niveau de ta tête, ce prénom? Où c'est que tu le visualises? Écrit comme ça. Écrit comme ça sur toute la longueur. D'accord? Donc visualise bien ce prénom qui est écrit sur toute la longueur ici. Tu le visualises bien? Et maintenant imagine comme si j'avais le pouvoir de le prendre. Ce nom, je le prends, je le prends, je l'enroule ce prénom, je le prends ce prénom, je prends ton prénom ici. Hop, j'enlève ton prénom de la tête. Regarde, il est dans ma main ton prénom. Comme tout à l'heure avec le chiffre, tu sais, quand j'avais le chiffre dans ma main, que tu t'en rappelais plus, c'est pareil. Je t'ai enlevé ton prénom, mais c'est pour un court instant, il va revenir, t'inquiète pas. Je le garde dans ma main, et tant que ma main est fermée, il sera impossible pour toi de te rappeler ton prénom, puis tu vas vouloir essayer de t'en rappeler, et plus ma main va se serrer sur ton prénom. Il va le fermer très fort. Et plus je garde ce prénom fermé dans ma main, et plus il est impossible pour toi de t'en rappeler. Et plus tu essayes, et plus ma main se serre encore plus fortement. Alors, en fait, je me suis pas présenté, je m'appelle Ronald, comment tu t'appelles? Et plus tu essaies de t'en rappeler, et plus moi je ferme ma main. Impossible d'aider à ton prénom. Mais je te le rendrai, t'inquiète pas, je vais te le rendre. Et puis tu souris et plus c'est impossible pour toi de t'en rappeler. Et puis tu cherches et moins tu arrives. Mais t'inquiète pas, il va revenir. Cherche plus, c'est pas grave. Je te vais te le rendre, t'inquiète pas, il est là, regarde. Il est là ton prénom, je le garde là. Je vais t'en donner un autre. On va voir si tu arrives à avoir un autre prénom. D'accord? Bien. Moi je m'appelle Ronald et comme par hasard tu as le même prénom que moi, je prends mon prénom. Mon prénom c'est Ronald, je prends mon prénom et mon prénom je le visualise plutôt ici devant sur le front, tu vois, regarde. Je prends mon prénom, Ronald, il est dans cette main. Mon prénom est dans cette main et je te prête mon prénom. Maintenant tu t'appelles Ronald. Alors j'ai un second prénom, mon second prénom c'est Michel. Et comment tu t'appelles toi? Je t'ai prêté mon prénom, comment tu t'appelles? Ronald. Ouais, Ronald. Ronald c'est ton nouveau prénom? C'est chouette comme prénom, ça te plaît? C'est sympa comme prénom. Ouais, mais ça te plaît pas. Hein? C'est bizarre, je suis perdu. T'es perdu, mais c'est pas grave, c'est normal que tu sois perdu. Hein? Je reprends mon prénom. Je vais le reprendre parce que quand même j'y tiens mon prénom et hop, je me remets mon prénom dans la tête et ton prénom il est là, tu te rappelles? Et je te le remets. Comme il était tout à l'heure. Comme tu le voyais écrit, je te le remets sur toute la longueur de la tête. Hop. Et maintenant ton prénom est revenu. Moi je m'appelle Ronan, comment tu t'appelles? Morgan. Hein? Morgane. Morgane, c'est chouette mon prénom. Ça va? Oh là là, c'est un truc de mort. En plus, on s'en rend compte, genre. Mais oui. Et on peut pas. Mais non, c'est parce que, si tu veux, moi je raconte une histoire. Là, tu es en phase d'hypnose. Hein. Je t'ai pas endormi, tu vois. Dans toute la séance qu'on a fait, j'ai jamais fait une induction et tout. Simplement en discutant, en parlant. En étant en symbiose tous les deux, en étant en confiance. Hein. Si tu veux, l'hypnose, c'est ça. L'hypnose, c'est de l'auto-hypnose accompagnée. C'est-à-dire, c'est toi qui décides de rentrer en phase hypnotique et tu décides aussi, ton inconscient décide que de te laisser accompagner par moi, aujourd'hui, maintenant. Par exemple, dans une heure, ça serait très bien possible que ton inconscient n'a pas envie de te laisser accompagner et rien ne se passerait. Mais là, en ce moment, tu es bien, c'est sympa, on passe un bon moment, il y a du monde autour de toi, de toute façon, tu te déconnectes du monde autour de toi, c'est un moment sympa, tu trouves ça marrant, en plus, tu avais envie d'essayer, donc tu te fais plaisir et donc tu te laisses aller, donc si tu te laisses aller et que tu laisses travailler ton imagination, ben, Ça se fait tout seul. Bon, comme je t'ai dit, moi je suis là pour te faire découvrir, pour que tu aies du plaisir. Je ne veux pas que tu aies un doute. Et quand je vois que tu as un doute, même, bon, j'essaye de ralentir. Ça revient, on dirait. Puis... Mais c'est normal. C'est normal. Ce qui te surprend aussi, c'est le fait de te dire comment je peux arriver à oublier mon prénom ou oublier un chiffre. C'est surprenant. Donc une fois la phase de surprise est passée, tu as le sourire qui revient et tu te dis, bah, tiens, en définitive, il faut se faire plaisir. Je pense que quand on est vraiment dans le truc,
endormi peut-être, ben, je connais pas, mais... Non, c'est pareil. Non, c'est n'importe quoi. Pareil. Non. Parce que des fois, ça, on dirait ça. Non, mais après, je te ferai si tu veux. Je vois le fond de la gorge, mais je veux pas sortir. Enfin, non, mais c'est pas. C'est toi, au fur et à mesure que les suggestions passent, qui va rentrer dans une phase un peu plus chrono de l'hypnose. On continue. Ouais. Bon, on va refaire un petit jeu simple. Tu vas faire comme moi. Tu vas fermer tes deux poings comme ça, et tu fais un moulinet vers l'avant. Voilà. Et tu imagines que ce moulinet qui tourne. C'est comme un petit moulin à eau. C'est des moulins à eau avec l'eau qui tourne et qui fait tourner la roue en bois comme ça continuellement. Et il est impossible pour toi d'arrêter ce moulin à eau. Et puis tu veux essayer d'arrêter ce moulin à eau et puis ce moulin continue à tourner de plus en plus vite et de mieux en mieux. Tu peux essayer d'arrêter ce mouvement, mais impossible pour toi. Puis tu vas vouloir essayer d'arrêter ce mouvement et puis ça va continuer à tourner parce qu'il y a l'eau qui coule sur ce moulin. Et on ne peut pas arrêter cette eau. Parce que l'eau continue à couler perpétuellement, tout le temps, et ça tourne, et ça tourne. Mais là, tu sais quand même, je vais fermer le robinet d'eau, je vais le fermer, ce gros robinet, et je vais arrêter l'eau tout doucement. Et maintenant, le moulin va commencer à s'arrêter. Et maintenant, je vais tourner, mais dans l'autre sens, et maintenant, ça tourne dans l'autre sens. Parce que j'ai tourné l'eau dans l'autre sens, j'ai mis le robinet dans l'autre sens, ici, hop, et maintenant, le moulin commence à tourner de plus en plus vite, et à nouveau, et maintenant, l'eau arrive de plus en plus. Visualise cette eau qui tourne sur ce moulin et ça tourne de plus en plus vite. Impossible pour toi d'arrêter ce mouvement et plus tu essaies d'arrêter, et plus tu mets de force et plus ça tourne. Laisse faire simplement cette eau qui coule sur ce moulin et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Impossible pour toi d'arrêter. Et plus tu essaies, moins tu arrives. Tu essaies d'arrêter là ? Ouais. Bon, c'est bien, j'ai une course à faire, il va falloir que je revienne, mais je reviens que dans une heure. Hein. Pendant une heure, ça va tourner. Hein. Non, je vais l'arrêter de suite. Comment on préfère pour que ça s'arrête hein ? On arrête l'eau. On arrête l'eau ? Allez, je ferme l'eau. Chut, chut, chut. Mais là, le robinet d'eau est fermé, tu peux arrêter. Waouh ! Ça va ? C'est énorme. Je sais pas. J'essaie de forcer, ça tremble. Wow. Ça va ? Comment tu te sens ? Bien ? Bien, ouais. Ouais ? Tu veux continuer ? Ouais. Alors maintenant, ce qu'on va faire... Je vais te faire à la fois travailler l'amnésie et l'hallucination, les deux en même temps. Alors pour travailler ça, je voudrais que quand je dise le mot freeze, par exemple le mot freeze en anglais, tu fais un peu d'anglais ? Ouais. Ben, le mot freeze, ça veut dire gel en anglais, tu sais, freeze comme Mr. Freeze, tu sais, les glaces conçues, c'est la Mr. Freeze. Donc freeze en anglais, ça veut dire gel, et ben, quand je dirai le mot freeze, ce sera pareil pour toi, tu vas te geler, comme une statue de glace. Tu sais, comme dans les stations de ski, des fois, il y a des sculptures, des concours de sculptures de glace, tu sais. Mais tu vas être comme une statue de glace, hein. Tu seras figé. Tu pourras respirer, t'inquiète pas, hein, tu pourras respirer sans encore. Ouais, mais tu seras figé comme une statue de glace. Visualise cette statue, tu seras extrêmement pareil. Et quand je dirai le mot défrise, eh bien, défrise, ça veut dire dégeler, eh bien, tu vas te dégeler, tout va redevenir normal. Comme si tu fondais. Mais tout ce qui va se passer entre le mot frise et défrise, tout ce que tu auras pu voir, entendre ou ressentir, va disparaître de ton esprit, disparaître de ta mémoire, mais comme s'il y avait une fraction, un millième de seconde qui s'était passée entre ces deux mots. Donc je récapitule, quand je dis le mot freeze, tu te gèles comme une statue de marbre, tu es figé, figé dans le temps, et tu pourras respirer. Quand je dirai le mot défreeze, tout redeviendra normal. Mais tout ce qui s'est passé entre ces deux mots aura disparu de ton esprit, disparu de ta mémoire. Tout ce que tu auras pu voir, entendre ou ressentir aura disparu de ton esprit. Comme s'il y avait une fraction de seconde. Ça va ? Écoutez, je regarde mon doigt. Freeze. Défreeze. Ça va ? C'est un truc de malade. Waouh ! Alors comme je t'ai dit, je te fais vivre à la fois une amnésie, c'est-à-dire oublier quelque chose, et une hallucination. J'ai pas l'impression d'avoir oublié, mais... Tu m'as vu me déplacer ? Je peux voir, on va partir. Ouais. Et après, tu as perdu. Regarde mon doigt. Freeze. T'es freeze. Je m'en souviens un peu, je vois les jambes bouger et tout. Ouais. Mais tu vois les jambes, mais est-ce que tu me vois bouger, moi ? Ah, le début, après. Ouais, après, j'ai disparu. Ouais. Je vois un peu, en fait, je m'en rends compte, mais. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, entre ces deux mots, tu cherches même pas à voir. Tout ce que tu peux voir, comme je t'ai dit, tout ce que tu peux voir, entendre ou ressentir doit disparaître. Fais-le disparaître, c'est juste pour un court instant,
entre ces deux mots, comme si de rien n'existait, tu vois, comme s'il y avait une fraction de seconde, comme si on allumait un interrupteur, tu vois. L'interrupteur était freeze, je le fais passer sur des freeze. Et tout ce qui est entre le mot de bas et le mot de haut, tout ce qui se passe entre, ça disparaît. Tu vois, tac, 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 tu vois. Alors maintenant, je vais te mettre l'interrupteur en bas, freeze. Je mets l'interrupteur en haut, les freeze. Et tout ce qui s'est passé entre les deux a disparu. Ça va ? Ça le fait mieux là ? Tu visualises bien cet interrupteur. Alors, vas-y, je mets cet interrupteur, le bouton que je descends, il est en freeze. En bas, je passe des freeze, toc. Et tout ce qu'il y a entre le haut et le bas, tout ce qui se passe, tout ce que tu peux voir ou ressentir, qui s'est passé entre ces deux mots, ça disparaît. C'est un jeu, c'est juste pour un instant, t'inquiète pas, tout va revenir. De toute façon, tout ce qu'on a fait va te revenir en l'esprit quand j'aurai fini la séance, je vais te faire tout revenir dans ton esprit. Ça va ? On continue ? Regarde mon doigt. Freeze. Des freeze. Je vois disparaître. Tu me vois disparaître, mais tu ne vois pas apparaître. Tu regardes mon doigt. Freeze. Des frises. Ça va ? Ouais. J'ai senti un petit coup, je crois. Mais... Ouais, mais parce que je me suis mis à côté, tu m'as pas vu me déplacer ? Ça va ? Ouais. Il y a un truc qui est encore plus bizarre, c'est que grâce aux frises et aux défrises, ça peut me permettre de deviner quelque chose dans tes pensées. Parce que je suis hypnotiseur, je suis magicien, aussi je fais un peu de magie, comme Baptiste. Et je suis aussi, je devine, je peux deviner certaines choses que tu as dans tes pensées. Ah ouais. Alors, ce que je vais te demander, c'est de penser à un objet particulier et à une couleur particulière. Tu l'as dans ton esprit ? Un objet particulier. Cherche un objet complètement hétéroclite, hein, avec une couleur vraiment. Faut pas que je devine, essaye de trouver quelque chose de compliqué. C'est bon, tu l'as ? Freeze. À quoi tu penses ? À quoi tu penses ? Dis-moi ce que tu penses. À quel objet et à quelle couleur il est ? Comment ? Squid, quelle couleur ? Il n'y a pas de couleur ? Blanc ? Non. Quelle couleur il est ? Des dessins. Ton skate avec plein de dessins. Tu vois ça ? Des frises. Donc je vais essayer de deviner à quoi tu penses. Tu penses bien à cet objet ? Tu penses à ton skate, avec plein de dessins dessus. Waouh ! C'est ça ? Ouais. Alors, tu vas essayer tu vas essayer de penser à une situation particulière, un endroit particulier dans lequel tu fais quelque chose. Tu vas essayer de penser à ça, parce que là, j'ai deviné. Essayer de deviner quelque chose qui est encore plus compliqué, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui t'appartient, un lieu particulier, avec quelque chose que tu fais, d'accord ? Tu y penses ? Ça y est, c'est bon ? Tu l'as dans ta tête ? Freeze ! À quoi tu penses ? Dis-moi à quoi tu penses, quel est cet endroit où tu es ? Cap Découverte. Cap Découverte, hein. Qu'est-ce que tu fais à Cap Découverte ? Du way skate. Hein ? Du way skate. Du way skate, d'accord. Les freeze. Donc je vais essayer de deviner ce que tu fais. C'est quoi ? Tu penses encore là ? Vas-y, parce que pour que je m'en rappelle, il faut que tu penses fortement. Hein. Tu penses fortement ? Tu es dans un endroit qui n'est pas très loin d'ici. Je visualise Cap Découverte. Et tu fais du wayskate. Du wayskate en plus, c'est le truc que je fais, moi. Ouais. Ouais. Ça va ? Ouais. Alors maintenant, je voudrais que tu imagines. Bon, dans ton avenir, tu imagines vouloir faire un métier particulier ? Tu imagines un métier particulier que tu verras ? Quels sont tes objectifs ? Tu es étudiant pour le moment ? Ouais, je suis à la fac, ouais. Tu es à la fac, tu fais fac de quoi ? Un truc. Faut pas que je vous le dise, sinon c'est facile. Non, mais non, ce que je voudrais que tu imagines, c'est que. Ce que je voudrais que tu imagines, c'est un métier que tu veux faire plus tard par rapport à tes études. Mm-hmm. Tu l'as ce métier ? Tu imagines faire ce métier dans combien d'années ? Tu le vois, mais ne me le dis pas. Hein. Faut que je devine. Hein. Le métier que tu vas faire, dans combien d'années tu penses le faire ? D'accord ? Tu l'as dans ton esprit ? Freeze ! C'est quel métier que tu veux faire dans combien d'années ?
designer. Comment? Web designer et dans combien de temps? Dans quelle année? Trois ans. Dans trois ans. Des crises. Ça va? Donc, je pense que tu veux faire un métier lié à l'informatique. Hein? Ouais. L'informatique, enfin, plus orientée vers l'Internet, vers le web. Ouais. Je pense que tu aimes le dessin. Ouais. Donc, je pense que tu veux faire un métier par rapport au dessin et au web, donc au web designer. C'est ça. Et je pense que tu voudrais y arriver, ton objectif, ce serait dans pas longtemps, dans trois ans. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, t'inquiète pas, tout ce qui s'est passé, ça va revenir. En définitive, je suis pas si devin que ça, ne crois pas. De toute façon, tu auras la vidéo, tu vas tout comprendre. Mais là, tu comprends pas pour le moment. Là, tu comprends pas ce qui s'est passé. Hein. Tu te dis comment il a fait pour dominer. Ouais. Ton copain, c'est lui.